Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plus nouvel épisode de Stab on V4 Please the Giraffe. Et donc chers amis, maintenant qu'on a tous les objets requis pour les différentes quêtes que nous avons eues à l'autre poste, nous y retournons pour rendre de toute façon tous ces multiples objets une fois les avoir 3D printés tous. 3D printés les tous. Hop, et de 1. Madame, monsieur, truc, oiseau. Voilà. Ah, je l'ai vu sauter. Il y a un suicidaire dans le coin. Et bizarrement, c'est un Floran. Hop, parfait. Parfait, parfait. Ça en fait de la quête. On a dû récupérer de l'objet moisi, hein. Ah oui. 35. 33, c'est un shotgun, non? Ah oui, c'est un shotgun, donc ça m'intéresse pas. Ça c'est quoi? 43, oui, non. Pas d'intérêt. Alors, la suite. Qui est-ce qui voudrait quelque chose? Ah, bonjour, monsieur. Est-ce que j'ai mes diamants sur moi? Non, je ne les ai pas. C'est con. 16 diamants, je vais te les... Non, j'ai une drôle d'impression. J'ai l'impression que ça s'est ouvert, ce truc-là, mais dans ma tête. C'est pas grave. Alors, mes diamants. C'est pas là. Mes diamants. Les voilà. On y retourne. Outpost. Bonjour. Voici mes diamants. Licence classe 4. Déjà ça te prie. Ça va jusqu'à 5 si je ne me trompe pas, chers amis. Maintenant, j'aimerais bien voir qui me donnera mes quêtes, en fait. Soyons honnêtes. Il m'en reste plus, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Alors, il te faut donc 8 upgrades module. On en a que 2. Bon, bah c'est cool. Retournons sur l'autre poste. Voyons voir si quelqu'un est prêt à me donner une mission. Apparemment non, hein. Pas le chien non plus. Alors. Peut-être le bonhomme dans le fond. Non, bon. Ce endgame de la folie. Beam to ship. Eh ben écoutez, chers amis, on va se retourner sur une planète de type volcanique. Hop, la première. Covered in magma. Ça va être liquide. Volcanic terrain, c'est bon. Oh! Allons faire le plein. Vous voyez, ça m'a coûté 10 plutonium pour faire le plein. C'est parti, on y va. Alors. Bon, on va le laisser bosser. Moi, je vais aller réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire de ce vaisseau très bientôt. Tout d'abord, je pense aussi à vous rappeler à nouveau de me dire ce que vous souhaitez que je fasse. Si j'utilise ou non le mode admin pour faire un vaisseau, donc sans vous. Et vous donner la surprise. Personnellement, je pense que je ferai ça, et même que je pense que je le ferai pas d'un seul coup. Je le ferai en fait, entre guillemets, wagon par wagon. Et ensuite, on verra. Et bien sûr, ensuite, on s'intéressera à ce qui n'est pas là, ce qui est non, ce qui se vend à l'autre poste, justement. Et ça se vend à l'autre poste, ça. Ce à quoi je pense. Alors. Ok. On va se redéguiser en quelque chose. En aventurier. Est-ce qu'on a un jean lambda? Tiens, bah ça c'est cool ça. Voilà. Alors, on a une bonne tête là. On a une bonne tête. Alors peut-être même que je rajouterais ça. Non, non, c'était très très bien en fait. Ça c'est le pantalon pirate, ça donne quoi?
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Faudra que je fasse le tri dans... Oh, faudra que je fasse le tri dans tout ça, mais j'ai vu ça. Non, c'était mieux avant. Voilà. Bon, on descend. Et on va aller voir ce qu'il y a à trouver sur cette planète, chers amis. J'ai pas pris la bonne... Oui. Je n'ai pas pris la bonne armure, forcément. J'y ai pensé juste avant de lancer le truc, je me suis dit oui, je vais y penser. Hop, et ben non. Alors, show me my techs. Je regarde s'il n'y a pas de nouveautés. Apparemment non. Hit protection. Et on descend. Piou! Alors, il y a déjà un coffre dangereux là. Commençons par ça. Oh. Platinum, platinum, platinum. J'aurais préféré des diamants, moi dis donc. Eh oh. Jeu, tu vas me respecter un petit peu? Raté. Hop. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, là on a un truc. Un Neon Melon. Ok. Pas grand-chose, dis donc. C'est un ennui mortel, hein. Raté. Moi, je t'ai eu. Ah, je me suis attendu à... Ah bah voilà. Je disais donc, je me suis attendu à un truc dans cette zone, mais il y aura rien là-dedans. Ça va être casse-couille, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi je cherche de véritables coffres, chers amis. Moi je cherche de vraies choses. C'est bien les humains que vous ayez colonisé cette planète, mais enfin bon, voilà quoi. Cherche des choses intéressantes, moi. Et pas d'autres humains, surtout. Enfin, même si techniquement, je suis un Nova Kid, donc... Oula. J'aurais eu l'air con, l'espace d'un instant. Comme là, par exemple. Hop. Là aussi. Oh, putain. C'est traître. C'est vraiment traître. Bon bah écoutez, si on trouve rien à la surface, on va aller en profondeur. Le problème c'est que si on va en profondeur, il faudra que je prenne la Morph Ball, chers amis, pour m'assurer de pouvoir rentrer donc dans tous les... Quoique normalement avec le Target and Blink, je dois pouvoir rentrer dedans aussi. Hop. Oula. Hop. Ah, forcément. C'est limite si j'y ai pas pensé à l'avance. Alors. Avec une toute petite flaque. Puis normalement, hit protection, je suis désolé. Le magma, il va se faire entuber. Ah bah on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Bah y a rien du tout sur cette planète, chers amis. Bon, bah, voilà, on va partir par là. Et on creuse. Et on creuse dans les cendres. Voilà, je précise. Oh putain. Et on creuse donc, tout court. Hop. Oh nom de Dieu, on n'est pas rendu. Une fois qu'on aura passé les premières couches, j'imagine que ce sera plus simple. Non, je me trompe. Oh merde. Encore faut-il réussir à passer les premières couches. Me direz-vous.
Alors. Ah, là, il y a des choses un peu plus faciles. Non. Ah, si, peut-être là, c'est plus simple, ça. C'est plus simple. Hop. Oh, mais c'est le paradis par là. Permettez, je m'enfuis. J'aimerais trouver du solarium au passage, ce serait cool. Apparemment, c'est peut-être pas assez de couches là. Je pense que je vais la mettre en bookmark. Tu m'évites de... On va dire que t'as pas froid aux yeux. Pou pou pou. Tu t'es jeté à l'eau directement. Alors. Parfait. J'ai peur. Il a eu les yeux plus gros que le ventre. Ah, c'est con, je me suis bouffé le rebond de l'œil, quoi. Hop, ici, qu'est-ce qu'on a? Surtout pas ce qui nous intéresse. Tu dois descendre, alors. Hop. Donc actuellement nous cherchons donc des trucs de modules là. Et aussi du solarium. C'est du diamant en foison quoi. Hop, on récupère un petit peu quand même. On va pas tout gaspiller non plus. Parce que j'imagine qu'on peut en tirer un bon prix à la revente. Ou au moins à la raffinerie. Mais je crois que la raffinerie je l'ai pas revue. Alors. Boum. Parfait. Hop. Parfait. Mieux en mieux. Bon. Alors ça, on va aller le chercher. Hop, parfait. Bonjour. Rien d'intéressant, c'est cool. Merci le jeu. Alors, je vois de la roche, je vois de l'herbe florane. Ça peut être intéressant. Non, il n'y avait rien du tout. Ah, c'est un coffre. Ah, ah. 46, inintéressant. Hop. Voilà. Profitons de l'eau pour pouvoir descendre tranquillement. Un coffre. Rien de ce qui nous intéresse dedans, mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est dommage, la chute a dû être douloureuse. Hop. Ah non, ça va, on est plutôt bien sorti à vrai dire. Oula, non, je crois que c'était un challenge, ça m'aurait plu. Ah 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 ah. Arriverions-nous à des couches très intéressantes, chers amis? Il semblerait en effet. Bon bah écoutez, on va tenter notre chance. What? Il me restait si peu de points de vie que ça? J'ai pas capté. Eh ben dis donc. Je me suis littéralement empalé dessus, hein, on peut pas dire le contraire. J'étais un petit peu trop empalé. La gueule. Bon.
Je suis sur le cul. Autant l'avouer. Ouais, je suis littéralement sur le cul. On va aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui nous en vend à l'autre poste. Sait-on jamais, à un prix de connerie sûrement, mais... Ce serait peut-être intéressant, on verra bien. Alors, tu vends quelque chose, toi. Juste des portails. Toi, là, le nouveau vendeur. Juste pour voir, 119 diamants, tu me les prends combien? 4000. Ça va. Platinium, 120. Bon, bah, pas intéressant, ça. Par contre, le plutonium, tu n'es vraiment pas cher à niveau plutonium, hein. Le carburant, ça ne coûte pas cher, chers amis. Alors, Colony Deed, Earth Model. Oh, cool! Hop, je veux. Jupiter Model, je veux aussi. Mars Model, je prends aussi. Je prends ça aussi. Mercury, aussi. Neptune, aussi. Saturne, aussi. Pluton, aussi. Satellite, ça m'intéresse pas. Sol, Soleil, oui, je prends. Uranus, oui, parce que dans Uranus, il y a Ur. Ok. Du coup, ça nous fait plein d'objets, j'imagine. Voilà. Toi, là, tu ne vends toujours rien. Tu es toujours aussi inutile. Toi, tu ne vends que de la bouffe et des trucs pour notre bestiole. Gna 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 gna, tu ne vends strictement rien d'intéressant. Bon. Bon, bah je pense qu'on va. On va se démerder. Je vais chercher. Je vais me renseigner sur les moyens les plus rapides d'en trouver. Puis on verra par la suite. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? D'accord, intéressant. Non, je ne l'avais pas vu celui-là avant. Ok, bon bah les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'il n'a pas été trop long, j'en suis désolé. Malgré tout, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver donc dans le groupe Steam, directement à l'accueil, l'adresse IP du serveur. Donc vous la copiez-collez directement dans le jeu, vous ne cherchez pas à cliquer dessus, vous la copiez-collez et vous arriverez sur le serveur. Voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!